le monde, je m'appelle Mariam. Et moi, c'est Léa. Et on est les deux animatrices de Balado Tangent dans la bulle. Aujourd'hui, on reçoit qui, Léa? Aujourd'hui, c'est une invitée haute en couleur. On espère qu'elle sera haute en confidence. Chloé de Blois! Oh, c'était beau, ça! Merci! Hey, wow! Telle de Disney, la de chaîne. Écoute, là. Merci! Ah, mais là, comment ça va? Ça va super bien. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous en ce dimanche matin. Écoute, on fait comme si ça faisait pas comme 30 minutes ouais, qu'on en parlait. C'est ça, on vient juste d'arriver, en fait. Mais là, comme tu peux voir, Chloé, devant nous, il y a comme 5 boîtes de jus. Je sais pas si t'as remarqué. J'aime ça. Parfait. Au podcast, on a une nouvelle tradition. On demande à l'invité de choisir sa boîte de jus préférée parce que ça nous rappelle les lunchs, le secondaire. Et tu peux en choisir une maintenant et nous dire pourquoi. Non, attends, avant... Vers quelle saveur tu t'enlignes, j'aimerais savoir. Ben c'est parce que c'est partagé parce que au pêche, tu sais le petit jus de pêche, ça me rappelle mon petit frère, il voulait du jus de pêche tout le temps. Pis c'est la chose la moins qui goûte la moins une pêche fraîche. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais j'irais avec le jus de pêche, je pense. Mais le punch au fruit est meilleur, hein? Ouais, punch au fruit est meilleur, punch au fruit est meilleur. Moi, là, quand mettons je m'en allais au restaurant, puis tu pouvais faire des oui. Moi, je faisais tout le temps un mélange de Fritopia, punch aux fruits, puis genre un peu de 7-Up, genre. Oui, le 7-Up. Je prendrais que punch aux fruits, ça... Mais là, j'en prends-tu un, genre? Ben oui. Ouais, prends-en un, serre-toi. Ben là, attends, on va faire un cheers. Okay, bon, parfait. Ben, si personne ne prend le jus de pêche, ben, je vais le prendre. Hein. OK, parfait. Moi, je vais prendre fraise melon d'eau. Ben. Parce que j'ai mauditement hâte d'aller la gueule. Ça sent super. Watermelon sugar high, comme on dit. Watermelon sugar high. Harry Styles. J'ai comme l'impression que ça va être un épisode un peu musical. Genre, on dirait qu'on a le goût de chanter depuis tantôt. Ben oui. Tu sais? Non, moi aussi, j'ai ce vibe. OK, cheers. Chin. Chin, tout le monde. Super contente d'être avec vous. On est contente que tu sois là. Merci. Merci de l'invitation. Ah, ben oui, tu vois, ça goûte l'enfance. J'adore le jus de pêche. C'est aigre. Sucré aigre. À chaque épisode, je suis fière de représenter Team Jus de pêche. C'est toujours ça que tu prends. Hein? Mm-hmm. Ouais. Il y a eu beaucoup de débats. Ouais, il y a eu des débats. J'ai dû me battre pour ma place. J'ai dû faire des roches papier ciseaux à le mettre pour ce jus. C'est vrai. Mm-hmm. Puis des fois, j'ai perdu. Bref. Ah oui! dans le fond, on voulait savoir, t'étais comment quand t'étais ado? Parce que, tu sais, on s'entend, là, on est en train de parler de jus. Ça rappelle les boîtes à lunch. Moi, personnellement, j'ouvre ma boîte à lunch, je vois un jus. Mm-hmm. C'est hydratant. Puis j'aime confortant. Ça. Bref. Oui. Comment t'étais quand t'étais adolescente? J'étais, mettons, à l'école, au secondaire, j'étais tannante, mais j'étais une leader positive, mais j'étais comme... Je passais tout le temps entre les lignes. Tu sais, on dirait que j'ai jamais écouté les règlements vraiment à l'école. J'étais tannante, mais je finissais tout le temps par être le coup de cœur, genre des profs, parce que j'étais comme attachante, puis j'étais pas... Je dérangeais pas la classe négativement, tu sais. Puis j'étais très outgoing, là, vraiment extravertie, puis... Je parlais à toutes les gangs. On dirait que j'allais parler à tout le monde, moi, d'impose. Puis. Social butterfly. Ouais, j'étais comme une petite, vraiment très, très sociable. Puis. Assez sage aussi, là, niveau party. Tu sais, comme pour vrai, j'en ai fait là, des niaiseries. Je sais pas à quel point je peux me livrer aujourd'hui. Mais j'étais plutôt aussi de type un peu mémé. Là, genre, j'aimais ça boire mon thé le vendredi soir à la maison en écoutant les séries de Disney Channel. Mais là, Mais là, je ne peux me retenir que de faire la remarque les deux positives, comme dans Charles de O.D. Chez nous. C'est bon. Ok, parfait. Mais mettons, genre, quand t'étais adolescente, c'était quoi comme tes grands classiques? Genre, mettons, film préféré, chanson préférée, repas préféré. Ok, mais là, je sais pas, on a quand même une petite différence d'âge, mais moi, je m'excuse, là, mais le grand classique méchant des ados, là, Mean Girl, je sais pas si vous avez écouté ça. Ouais. C'est peut-être un peu, c'est les filles en été. Mean Girl! Represent. On a un t-shirt de Mean Girl dans la. J'ai adoré ce film, mais. L'attrape-parent. L'attrape-parent de ma jeunesse qui m'a suivi. Je suis quelqu'un qui écoute tout le temps les mêmes films. Okay? Que? Moi aussi, j'écoute toujours les mêmes films. Je pense parce que j'aime pas le suspense tant que ça. Fait que là, quand je sais qu'est-ce qui va arriver, c'est comme. C'est comme réconfortant de savoir. Ouais, c'est ça. Bien que tu le sais. Moi, je suis difficile. Quand une minute, j'embarque pas, je le sens. C'est ça, moi aussi. Vraiment. J'aime ça être comme. J'aime ça pas être déçue de la fin. Exactement. Quand tu sais déjà qu'est-ce qui va arriver, tu ne peux pas être déçue. Vraiment. Et bref, est-ce qu'on peut... Le Titanic, là, j'ai écouté mille fois le Titanic. Là. Ben... Au complet, le 3 ans. Ah ouais, le. Moi, le Titanic, mon frère l'a écouté, j'ai dit « Appelle-moi quand le bateau coule ». Ah ouais, c'est tellement... C'est trillant, là, ce film. En tout cas, Moi, c'est triste. Mais j'étais un peu quétaine dans les 2000, tu sais...
très Spice Girls, Britney Spears. Aren't we all? We are all. Tu connais les Spice Girls, Maria? Ben, je connais les Cheetah Girls. Je connais les Spice Girls. Je connais Mel B. Je connais Victoria Beckham. If you wanna be my lover, bon, you gotta get with my friends. Take it last forever. Friendship never ends. Et on l'avait dit, épisode musical. Hein? Épisode c'est musical ça. Aujourd'hui. Mais je suis sûre qu'on aurait été amis les filles au secondaire. Pour mais c'est ça. Votre vibe. Ben là, en ce moment, là, tu sais, comme moi, je suis lancée dans l'univers, mais tu sais, toi, moi, Justin Morisset. C'est une blague, c'est une blague. J'ai aucun commentaire. C'est une blague, pour vrai, là. Gars, moi, j'ai des contacts. C'est une blague. Parce que là, on peut pas. On avait déjà parlé. Mm-hmm. Par avant, OK. Parce que moi, j'ai des contacts avec Justin, puis je vais peut-être pouvoir arranger tout ça. C'est parce qu'il va me falloir un 2, là, parce que là, je vais perdre connaissance, la gang. Oui, mais c'est hilarant. Bien pour toi, Léa. Merci. Mais, toi, en adolescence, t'as dit que t'étais vraiment genre un social butterfly, t'allais par-ci, par-là, outgoing, à travers les lignes. Mm-hmm. Est-ce que tu te sentais des fois un peu, genre, too much? Ah oui, mon Dieu! Mais oui, mais ça, c'est l'histoire de ma vie, les filles. L'histoire de ta vie? L'histoire de ma vie. OK, là, on est... C'est ça. Moi, je suis vraiment extravertie. J'arrive dans une salle, je parle fort, je prends de la place, mais je pense que je suis capable aussi de laisser la place où je le sens. Je pense que c'est important, ça. Comme read the room. Ça, c'est une de mes forces. Par contre, je sais que cette personnalité-là un peu éclatante, ça peut déranger des gens dans la vie, je comprends. Fait que oui, autant dans ma famille que dans mon cercle d'amis, à l'école, au travail, j'ai toujours senti que j'étais too much. Puis à un moment donné... J'ai comme, en arrivant au cégep, parce que, tu sais, mettons, au secondaire, j'étais la fille, là, extravertie. Puis là, j'arrive au cégep dans un programme de communication où tout le monde est l'extraverti de sa cohorte. Fait que là, t'arrives dans un bassin de plein de gens qui te ressemblent. Fait que là, je suis comme, OK, mais dans le fond, je suis pas si unique, particulière, extravertie que ça, tu sais. Fait qu'on dirait qu'en arrivant au cégep, j'ai pris une espèce de petite drop de... Oh mon Dieu, OK, je pense que je vais laisser la place aux autres. Je me sentais too much. On dirait que je me suis comme... Ça, je l'avais déjà dit à quelque part, mais que je me ternissais. Genre, je ternissais ma personnalité parce que je voulais pas déranger. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, dans le fond, je vais continuer à être moi-même. Puis c'est ça qui est le mieux, là, d'être soi-même. Oui, c'est ça. Mais... c'est ça. Chacun sa personnalité. Mais moi aussi, des fois, je me sens too much. Puis je suis comme, tu sais quoi? C'est pas moi qui est too much, c'est les autres qui sont not enough. Non, mais vous savez, mais... laisser quelqu'un, genre, baisser ta lumière. C'est ça. Jamais. Je trouve que, genre, la clé de pas se sentir too much ou trop intense, c'est genre être avec des gens qui sont aussi intenses. Fait que c'est genre. Ouais. J'ai l'impression que, tu sais, si t'es comme. Toi, t'es vraiment intense, puis t'es avec quelqu'un qui est un peu moins intense, genre, parle pas beaucoup. Oui. T'es vraiment à la place. Mais là, t'as vraiment l'impression de, comme, tu sais, faire toute la conversation. Mm-hmm. Mais si t'es avec quelqu'un qui parle beaucoup, qui est genre loud, là, c'est comme. Ça se balance, je trouve, en tout cas, bref. Mais tu sais, je suis sûre que tu prends beaucoup de place, mais que tu es capable d'écouter. Ouais. Je trouve que c'est vraiment important. J'apprécie ta présence pour ça aussi. Mais là, merci, là. Ça fait genre 5 minutes qu'on se connaît. Bienvenue, ma belle. À Noël prochain, tu viens dans ma famille. Mais tu sais, c'est fou parce que tu as dit que, mettons, toi, c'est au cégep que tu avais un peu dimé ta personnalité. Ouais. Mais moi, c'est comme totalement le contraire. C'est au secondaire, j'étais comme, OK, là, je vais me calmer. Parce que je me faisais beaucoup niaiser. Fait que là, j'étais comme, tu sais, je donnerais pas une raison de plus pour qu'il vienne me gosser. Comment ça, tout. Tu faisais niaiser? Puis comment, pourquoi? Plein de personnes et plein de choses aussi, c'est ce que je voulais dire. Mais tu sais, j'étais beaucoup proche de mes profs. Fait que tu sais, la chute du prof. Puis comme, tu sais, j'étais comme un peu le sauveur de tout le monde. Là. C'était comme un peu un consensus de comme. On va bâcher Léa. Mais tu sais, c'est vraiment au cégep que j'ai eu le déclic de genre, OK, mais en fond, là, je peux être qui je veux. Tu sais, je dis dans le cinéma, tu sais, c'est un milieu très ouvert et artistique. Fait que tu sais, c'est vraiment là que j'ai fait, OK, mais en fond, je peux être moi-même, puis tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ouais. Tout le monde s'en fout, la gang, pour vrai, là. Hey, moi, un conseil que je peux vous donner ou que j'ai reçu, c'est que dans la vie, bon, ça va avoir l'air super sec, là, mais les gens s'en foutent. Tu sais, quand tu fais, oh mon Dieu, j'ai fait une mauvaise impression, j'ai fait ça hier soir au party ou. Les gens s'en foutent parce qu'ils pensent à ce que eux projettent, à ce que eux ont donné comme impression. Fait que, tu sais, on se met beaucoup de poids là-dessus de comme, oh mon Dieu, j'ai tellement fait une mauvaise impression, j'ai fait ça, j'ai dit la phrase de trop. Mais non, le monde, là, ils vont pas analyser tout ce que tu fais. C'est ça, les gens, ils oublient vite. Hein. Les gens oublient vite. Ben, c'est ça, se concentrent sur eux comme nous. Exactement. Nous, exactement. Fait que des fois, ça peut aider à comme lâcher prise un peu sur ce que le monde pense de nous. Moi, ça m'a bien aidé. Mais pourquoi tu penses qu'on veut tant plaire aux autres? Surtout quand on est au secondaire. Oui. Mais c'est faux au secondaire. Là, mettons, tu disais que toi, au secondaire, tu essayais de comme cacher un peu la personne que tu étais. Mm-hmm. Je me souviens, moi, j'étais full
pas, tu sais, j'aimais ça mettre du rouge à lèvres, genre. Mettons, au mm-hmm. secondaire, moi, je me mettais du rouge à lèvres la fin de semaine, puis dans mes soupers avec ma famille. Mais si j'arrivais avec du rouge à lèvres, à un moment donné, à l'école, tout le monde, toutes mes amies de gars m'auraient niaisé. Mm-hmm. Là, c'est comme, ben non, fait que là, je m'achète un pantalon un peu plus funky, ben je vais pas mettre ça à l'école, t'es-tu mm-hmm. malade, Cédric, il va me niaiser toute l'heure du dîner. Ah, oh, ben oui, amie! Mais tu sais, c'est ça, on dirait que tout le monde juge pour... Est-ce que c'est pour se protéger eux-mêmes? Non, là, c'est que ça. Peut-être que je vais mettre l'attention ouais. sur quelqu'un d'autre, fait que là, mm-hmm. le monde, ils vont pas me niaiser, moi. Mais pourquoi? Moi, ça me semble comme une petite stratégie marketing, ben, tout ça. Genre, exactement. Détourner c'est l'attention. Ça. C'est ça. Moi, là, c'est encore un travail, là. Encore à mon âge, j'arrive à 30 ans, là. C'est un travail. Mais là, désolée, mais tu fais vraiment pas ton âge, hein? Non, comme, mais je me sens full jeune. À chaque fois, ça m'ébranle, comme je suis comme 30 ans. Ben là. Mais là, si je ressemble pas à ça à 30 ans, là, je vais demander une petite facture de remboursement. Oh mon Dieu, arrête, c'est trop fine. Non, mais là, de rien. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Là. Non, pas tant. Là, je me mets des crèmes pas trop chères, hein, parce que ça coûte cher les soins pour le visage. Oh mon Dieu, mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera un autre fois. Mais qu'est-ce que je dis de. Oui, le jugement des autres, moi, ça m'a tout le temps. J'essaie vraiment de me départir de ça. Ça m'aide à être moins anxieuse dans la vie, de comme me foutre, mais je ne pense pas que dans la vie, personne n'est capable de se foutre. Totalement. Oui, 3000. Est-ce que tu peux te détacher de ça? Oui. Mm-hmm. Est-ce que tu peux essayer de comme vraiment te parler? C'est pas grave. Mais j'ai entendu dans un film récemment, c'est genre les gens peuvent sont juste pas capables de pas care. Mm-hmm. C'est impossible que l'humain ne care pas. Mm-hmm. Tu sais, mettons, je m'en tiens. Ah, oh, ce projet-là, c'est pas grave, là, je m'en fous. Au pire, j'aurai une mauvaise note, là. Non, là, genre la veille, je me... Non, c'est je me, ouais, ça, c'est moi. Vraiment, j'étais pas capable. Ben, ah, oh, c'est pas grave, là, de ce que... Cette personne-là, je m'en fous de son opinion. Ben non, tu t'en fous pas. Ouais. Il faut, là, essayer de, comme, faire des choses pour soi, là, mais mm-hmm. C'est un combat de toute la vie, là, ça. Là. Mais vous, est-ce que à quel point ça prend de la place dans votre vie, mettons, le regard Ouh. Des autres? Est-ce que ça vous empêche de faire des choses concrètement, là? Ben, m'empêcher, non. Regretter, peut-être. Ouais, OK. Mais mettons, j'en parlais avec ma mère, puis j'étais comme... J'en plus, on parlait de quoi, mais t'es comme... Tu sais, les gens peuvent pas te juger si tu t'assumes. Comme, mm-hmm. puis genre, c'est tellement ouais. vrai. Parce que si, mettons, ouais. moi, je dis... Attendez, laissez-moi penser à un exemple concret. Genre, mettons que comme t'es pas nécessairement fière de quelque chose, puis t'es comme, ah, oh, les gens vont rire de ça, les gens vont rire de ça. Mais comme si t'assumes la chose, mm-hmm. si tu dis, ça, c'est cool, genre, ouais, ça, c'est... vraiment. Nice. Mais de quoi les gens vont rire? Mm-hmm. C'est vrai. Exactement. Vraiment. Mais tu sais, on dirait, c'est comme, ben, comme tu as dit, c'est un peu le subconscient. Là, mm-hmm. Tu te dis, moi, je m'en fous un peu. Tu viens de dire, mettons, je pense à mon prof Vincent que je salue. Tu sais, mettons, à la projection, je portais comme des pantalons funky, comme tu as dit. Genre, il y a comme des lignes vraiment cool. Oh. Puis là, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, il y a eu le restant du rideau. Ah oui. Et là, j'ai fait, Vincent. Là... Attends, ton prof? Oui, mon prof. Mais ah, tu sais, ouais. on a comme une petite relation. Mais pas, non, mais, non, pas une relation. Non, non, non. Wow. Une petite amitié, peut-être. Une amitié. Ah, c'est une bonne complicité. Exactement, ouais. tu sais. Fait que je l'ai pas pris mal, mais ouais. en même temps. C'est de la taquinerie, mais tu sais. Ouais. Il essaie de provoquer quelque chose chez toi. Exact. Il sait que, mettons, si t'avais été super fragile, peut-être qu'il y aurait pas. Y aurait ouais, pas c'est fait ça. Ça mais on dirait, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que votre génération est vraiment plus ouverte à ça. Tu sais, on dirait, mm-hmm. avec des séries, tu sais, je sais pas, voyons, c'est quoi la série full hard core, là, genre des ados, là? Ah, est-ce que c'est Ginny and Georgia? Non. En tout cas, je sais. série hardcore. C'est vraiment dommage. Attends, Netflix? Pas. Ouais, sur Netflix, là, tu sais. Ça parle de quoi? De sexe, puis le monde, ils ont full des styles excentriques. Série ado. Euphoria. Euphoria. Euphoria, tu sais, on dirait que, je sais pas, c'est vraiment, vous êtes une génération vraiment plus ouverte à ce niveau-là, au niveau des styles, au niveau de comme, ouais. tu sais, pour vrai, nous autres, on dirait que tout le monde s'habillait pareil. Oui. Ah, personne, ouais? Ouais. Pour vrai, attends, quelle tout année? Le monde était, ben, tu sais, moi, j'étais au secondaire de 2007 à 2011. Ces années-là, on dirait impossible. Que personne n'osait. Il y en avait peut-être 3-4 dans nos cohortes qui avaient un style un peu plus... Mm-hmm. Qui sortait de l'ordinaire, puis tout le monde ne parlait que de ça, là. Mettons, si t'arrivais avec une coupe de cheveux là, qui sortait un peu de l'ordinaire, oui. là, et boy, c'était genre le sujet de l'heure. J'ai mm-hmm. l'impression... Puis il faut aussi moi, si commenter... C'est moins ça, vous. Mais j'aimerais aussi commenter que les coupes de genre 2009-2010, c'était pas la... C'était pas non. le top de cheveux. C'était pas top top. Rendu la mode, là, c'est sûr, c'était pas optimal. Moi, dans le fond, à mon école, on a comme des uniformes. Fait okay. que c'est un peu impossible de ouais. juger le style mm-hmm. des autres, à part si, ben, genre, sur les réseaux sociaux, mm-hmm. genre, mm-hmm. les fins de semaine. Mm-hmm. Est-ce que t'aimes ouais. ça, avoir un uniforme? Ben, moi, j'aime ça. C'est positif pour toi? Moi, j'aime ça. Parce que honnêtement genre...
Ben, ça me dérangerait pas de m'habiller dans mes vrais vêtements, ben genre dans mes vêtements de fin de semaine, mais j'aime ça avoir un uniforme parce que, tu sais, je peux juste ouvrir mon tiroir le matin puis prendre le pantalon, prendre la jupe, prendre le chandail. Genre, Loki, les uniformes de mon école sont quand même stylés, donc... On dirait, moi, avec un uniforme, j'aurais été vraiment piquée sur genre le reste. Là, mettons, mes cheveux, j'aurais vraiment été piquée là-dessus. Si je me maquillais, j'aurais été piquée là-dessus. Fait que je sais pas si j'aurais tant aimé ça, un uniforme. Moi non plus, je sais pas, je me pose la question. Ouais. Mais c'est parce qu'on dirait que les fois que j'osais plus, me faisais ramasser par les Non, gueules, c'est ça, moi aussi. Mais encore une fois, c'est une façon de taquiner, tu sais. Sûrement que c'était, il se serait pas attaqué à quelqu'un d'un peu plus fragile qui avait pas vraiment confiance, tu sais. Mais est-ce que c'était des amis ou juste Ouais, c'était mes amis. Ils étaient comme ben Chloé, t'as dit que j'allais, tu sais, genre. C'était pas énervant. Un gloss. Il m'a coûté super cher au Sephora, genre. Non, c'est ça. J'ai-tu le droit de le porter, tu sais. Exactement. Mais, merci. Mais oui. Il a là. Mais tu sais, c'est quand mettons que t'as eu ton déclic de comme, hey, je vais me laisser shiner. Je vais me laisser shiner. Ben au secondaire, j'avais pas de misère avec ça. J'étais qui j'étais, là. Puis, c'est en arrivant... J'essaie de refaire le partout. Au cégep, je me suis éteinte la première année. Parce que première année, moi, je m'impliquais pas. Je parlais à mes initiations. J'étais là pour la forme, tu sais. Je m'impliquais dans mes cours. J'avais du fun. Mais c'est deuxième année de cégep, quand j'ai vraiment compris que... J'étais là, c'est vraiment ça que je voulais faire dans la vie. Je voulais travailler en communication, je voulais être en avant de la caméra. À l'université, un an plus tard, je me suis comme partie d'une chaîne YouTube, OK? Ça, c'est genre vraiment il y a longtemps. Elle n'existe plus, cette chaîne-là. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment moi-même à 100%, puis on dirait que personne que je connaissais à l'école écoutait ça. T'sais, c'était juste du monde externe là, qui me connaissait pas, qui commençait à me suivre. Puis c'est comme « Ah, oh, t'es drôle! » Puis tu sais, genre, je faisais pas... c'était pas des vidéos drôles que je faisais, mais j'étais juste comme vraiment 100% moi-même, tu sais. Puis là, le monde commençait à me dire « T'es donc bien drôle, là! » Tu me fais penser à telle personne. Puis là, j'étais comme « OK, c'est le fun, c'est valorisant de se le faire dire, tu sais. » Fait que là, moi, j'ai vraiment passé par l'espèce de grosse voix de comme me le faire dire littéralement par des gens que je connais pas. Mais je trouve que les compliments, genre, on dirait que ça a tellement une autre valeur quand c'est des gens que tu connais pas. Parce que, genre, tu sais, mais... surtout sur Internet, genre, tu sais que c'est ça qu'ils pensent pour de vrai parce que, tu sais, on se connaît pas, tu sais, je t'ai jamais vu. Facile, c'est sur Internet, les gens sont, genre, ils vont beaucoup commenter, genre, du négatif, mais comme ça, ils posent du positif. Exactement. Tu fais, genre, you meant that. C'est pour ça que j'invite les gens à. Ça arrive souvent que je reçois des messages. Ah, excuse-moi de te déranger, je veux pas te déranger, juste te dire que j'aime ce que tu fais. Moi, là, ça fait ma journée parce que souvent, ceux qui prennent le temps de commenter, c'est le monde qui vont chialer. C'est ça. Tu sais, là, nous, là, si t'aimes une émission, là, est-ce que tu prends le temps d'écrire en dessous d'un post? Ben là, Facebook, là, c'est tellement hard, là, Facebook. Mais genre, tu sais, est-ce que tu prends le temps d'aller commenter sous le post de l'émission? Ah, j'adore, j'ai vraiment aimé ça. Non, on prend pas le temps de le faire. Ceux qui prennent le temps de le faire, c'est le monde qui vont chialer. Ah, j'ai pas aimé ça, tatata. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que le négatif ressort sur les réseaux sociaux la plupart du temps pour ce genre de choses-là. Ouais. Parce que nous, quand on aime ça, on prend nous-mêmes, on prend pas la peine de le faire. Fait que les autres le font pas, tu sais. Mais, ouais, les réseaux sociaux, on dirait que. Mais c'est pas juste ça qui a formé le fait que j'ai décidé d'être moi-même puis d'avoir confiance en moi, mais je l'ai comme perdu un petit peu puis je l'ai regagné quand j'ai réalisé que c'est ça que je voulais faire dans la vie, fait que j'allais pas me ternir, sinon ça allait mal aller mon affaire, là. Mais moi, je veux savoir, depuis quand est-ce que tu sais que, genre, tu veux devenir une personnalité publique? Genre, est-ce que tu l'as déjà su? Ben, pas, je voulais pas devenir une personnalité publique parce que, mettons, moi, c'est le volet le moins le fun de ma job. Puis là, c'est à minuscule échelle, là. C'est rien, là. Je me considère pas connue, mais tu sais, ce qui me dérange le plus de ça, c'est d'avoir les yeux sur moi dans ma vie privée, mettons. Ouais. Ça, c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais moi, depuis que j'étais tout petite, puis, tu sais, la fureur, est-ce que vous savez c'est quoi la fureur? C'est dans l'émission à Véronique. Oui, on adore Véro. Oui, on adore Véro. moi, j'écoutais ça, là, puis j'avais mon petit micro, là, puis je voulais être animatrice. Moi, c'était vraiment, là, je voulais pas être chanteuse, je voulais pas être comédienne, je voulais être animatrice depuis que je suis petite. Fait que, tu sais, j'étais genre au primaire, puis je savais dans quel programme je voulais aller au cégep, là. Tu sais, j'ai toujours voulu faire ça, puis... j'étais dans ma famille aussi, là, j'étais comme elle qui entertainait, puis qui faisait ses petits spectacles. Fait que j'ai toujours su que je voulais faire ça. Puis à un moment donné, c'est ça, t'arrives dans un gros bassin de plein de gens qui veulent faire ça. Il y a beaucoup de demandes, peu d'élus. C'est décourageant quand t'arrives, mais faut jamais lâcher, genre jamais. Parce que le moment où j'ai décidé de prendre peut-être un petit pas de recul sur mon rêve, puis ça vaut pour mon travail à moi ou dans n'importe quel domaine. Dès que tu prends un petit pas de recul, pour vrai, il faut que tu écoutes les signes de la vie. Il faut avoir un plan B, c'est sûr, il faut que tu gagnes ta vie. Mais si ton rêve, c'est de
je dis n'importe quoi, là, de partir une compagnie de pâtes à modeler, là, je dis vraiment n'importe quoi, ben ton plan B, c'est bien que tu l'aies, que oui. tu l'aimes, mais ça te dévie de ton plan A, puis ça détourne ton attention. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait pendant longtemps. Je travaillais sur mon plan B, puis là, je me suis comme confortée dans « Ah, ben mon plan B, tu sais, mm-hmm. j'haïs pas ça, tu sais, puis c'est bien correct. » ça. Mais j'avais perdu de vue mon rêve, là. Ouais. Attends, c'était quoi ton plan B? Mon plan B, je travaillais en communication, en marketing. Genre, je m'occupais des réseaux sociaux, mm-hmm. des pages d'émissions de télé. Fait que, tu sais, j'étais quand même un peu dans le milieu de la télé. Sauf que, tu sais, j'avais comme laissé tomber un peu mon but. Puis, quand j'ai donné le petit push de plus, une espèce de comme moment de motivation de je sais mm-hmm. pas ce qui est venu d'où, ben c'est là que ça commence à marcher. Fait que, tu sais, faut vraiment... Tu sais, moi, je crois dur comme croyant vos rêves, la gang, là, comme peu importe c'est quoi, foncez. On dirait qu'on n'a pas assez des grandes ambitions aussi au Québec. C'est vrai. On est au Québec, puis c'est petit, mais comme... Crime Madoff, en ce moment, il est sur Netflix, tu sais. Ah ouais? Dans quelle émission? Son show à lui. Au Centre Bell, tu sais. Au Centre Bell? Ils l'ont filmé, puis ils l'ont mis sur Netflix. Ah ouais. Ben non. Ouais, c'est mm-hmm. ça. Tu sais, il faut avoir... Pour rêver grand. Ambitions que vous voulez, là. Genre, sky is the limit, là. Le ciel est la limite. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont allés dans l'espace. Oui, c'est Therefore, ça. Therefore, mm-hmm. la limite est inexistante. C'est ça. Wow. C'est vrai. Bon croyant vos rêves, puis lâchez pas, les gars. Mais oui, exactement. C'est quoi vos rêves, vous? Oh mon Dieu. Ben là, j'aimerais rectifier le tir. Parce que j'ai l'impression que cette question me prend toujours de côté. Donc là, à chaque fois qu'on me la pose, j'ai une réponse différente. Mon rêve n'est pas d'aller à Walt Disney. mon rêve n'est peut-être pas d'animer une émission à Radio-Canada, quoique. Parce que c'est ce que j'ai dit dans les autres épisodes. Okay. Mais honnêtement, je pense que mon rêve, c'est genre. Ben, Léa, est-ce que t'as un rêve en tête? Ben, pas vraiment. Mais c'est pas vrai. C'est ça, c'est parce qu'on dirait, on dit un rêve, fait que là, on est comme, OK, faut quoi, genre, d'impossible. Ouais, c'est ça, faut quelque chose de genre. Jamais arrivé. C'est ça. Je pense que mon rêve, c'est genre, d'être, genre, vraiment heureuse. Mm-hmm. Mon rêve, c'est genre, de comme finir ma vie et d'être comme, j'ai aucun regret. Ouais. Comme mon tout rêve, ce que j'ai fait était. Mon rêve, c'est de croire en mes rêves. Ah, waouh! Oui, les filles. C'est bon, ça! Merci, tout le monde. Non, mais pour moi. C'est super. C'est super. Non, mais oui, croyant vos rêves. C'est full quétaine, hein? C'est super quétaine. Mais genre, c'est vrai. C'est comme vrai. Moi, j'ai jamais autant cru en mes rêves que, mettons, dans les dernières années, et ça se réalise. Comme. Mmh. Mais honnêtement, mon vrai de vrai rêve, si j'avais comme un rêve impossible à faire, je me ferais construire une comme deuxième maison, OK, à côté de ma maison, et ce serait une maison où tout est en trampoline, OK. Ah, oh, mon genre, Dieu! Tous les planchers, ouais, tous les murs, tous les plafonds, là, tout ce que je pourrais faire, c'est sauter. Ouais. Oh, c'est cute! Puis je pourrais même comme dormir, genre là, puis... En tout cas, bref, ça être mon rêve à partir de maintenant. J'aime faire construire une maison. C'est quoi ton rêve, Chloé? Mon rêve? Ben, tu sais, moi aussi, ça va dans les mêmes eaux. Je veux faire... Ben, en fait, mon rêve, c'est de me réveiller chaque matin et d'aimer ce que je fais dans la vie. Parce qu'un travail, là, ça revient au travail. Il n'y a pas juste le travail dans la vie, là, vraiment pas. Là. Mais si tu n'aimes pas ce que tu fais dans la vie, c'est parce que tu te lèves à chaque matin pour faire ça. Fait que mon rêve, c'est juste de continuer à aimer ce que je fais, à triper, à comme... sortir de ma à pas avoir peur de sortir de ma zone de confort. Ça, j'ai appris ça dans les dernières années aussi, que j'étais quelqu'un de très casanière, un peu angoissée, qui avait peur de sortir du 9 à 5 puis de genre l'imprévu, ça me faisait vraiment peur. Puis on dirait que là, de sortir de ma zone de confort, ça m'amène juste des belles choses, puis de dire oui plus souvent que non. Tu sais, comme être ouverte à des choses que... À tout. Il y a 2 ans, j'ai dit, moi, je vais jamais faire de scène, là. De la scène, je vais jamais faire ça, je veux jamais comme... Puis une semaine plus tard, on m'offre d'animer une soirée d'humour, puis là, finalement, ça fait 2 ans que je fais ça. Avant Noël, on a fait le Club Soda, c'est genre la plus belle expérience. Fait que, tu sais, au début, j'étais comme full fermée, j'ai dit non, puis là, j'ai eu l'ouverture de dire, OK, peut-être, puis là, finalement, ça a comme changé la game, là, pour moi. Fait que, conseil, ne pas être fermé, là, même si c'est des trucs que tu ne vois pas pantoute faire. Mm-hmm. Des fois, des petits signaux de la vie, ça te donne des petites ouvertures de portes. Mais moi, je ne vais pas être hors contexte, mais c'est quoi ton signe astrologique? Ah, mon Dieu, parfait. Capricorne. Capricorne? Ouais. Ah, on dirait que tu prends son sens. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, je suis tellement poche en astrologie. Mais moi aussi, hein? Mais moi aussi. Je sais pas c'est tout, là. Je ne sais pas c'est quoi mon ascendant, là. Mais moi non plus, c'est ça. Mais moi, je sais que j'ai entendu... Par Shelby, je pense. Shelby, c'est la personne qui connaît le plus l'astrologie. Exactement. Oui. Genre, les Capricornes, c'est genre les gens qui vont comme get their goals, genre get the things done, comme ils vont comme genre toujours penser au comme futur, qu'est-ce qu'ils peuvent accomplir. Je trouve que ça te reflète bien. Ben, merci. Mais de rien. Vous, est-ce que vous êtes du genre, mettons, là,
quand vous avez un échec ou une peine, ou est-ce que vous êtes genre à le vivre full puis rester dedans, ou vous êtes comme, c'est arrivé, je le tasse, j'avance? Parce que moi, c'est vraiment, je le tasse, j'avance. Vous êtes comment, vous? Moi, je suis comme un peu des deux. Ouais? Parce que comme, ouais, j'essaye de le tasser pour avancer, mais comme, j'y repense et je suis comme... Mais il faut le vivre, là. T'sais, premièrement, il faut prendre le temps de vivre quand t'as peine, quand t'as de la peine, là. Mais mettons, moi, une peine que genre vraiment... Comme, parce que moi, mettons, quand je suis genre... Pas, ben, je dirais pas un échec significatif, mais comme, des mettons, si c'est des petits échecs, je suis moins dans la tristesse, je suis plus comme dans le... genre, dans l'embarras. Pas dans l'embarras, okay, mais comme pour moi-même. Genre, tu sais, je suis pas... Comme les gens me... Ouf, on va reprendre ça. OK, mettons, genre, c'est pas comme vraiment embarrassant. Ouais. Comme, je peux aller dans la rue et tout va bien aller, mais comme... Genre, on dirait que je me trouve embarrassante de comme rater quelque chose. Genre, t'as honte de toi, comme? C'est ça. T'es pas fière de toi. C'est ça, exactement. Je suis tellement pas fière de moi que je suis comme... Non. Genre, ça ne peut plus se reproduire. Permet pas l'erreur. C'est ça. Puis là, à chaque fois, j'essaie de le tasser pour avancer, ça revient. Ça revient. Ouais. Bon, vraiment, quand je vis un échec, c'est comme déstabilisant. Puis moi, quand je suis déstabilisée, comme, je perds mes repères. Fait que là, je suis tout le temps pognée comme une semaine. Puis je suis comme, ah, oh, mais tu sais, t'as réussi ton travail, genre, t'as eu une bonne note. Mais en même temps, lundi, t'es tombée dans les marches. Genre. Ah ouais. Fait que là, comme, oh, oui, puis là, tu repenses à ça. Okay, oui. Tu repenses souvent à des affaires de même. OK. Non, parce que tomber dans les marches, ça m'aurait vraiment plus marqué que genre. Qu'il manquait un examen. Ouais, qu'il manquait un examen. Manquer un examen, genre le couler ou comme pas y aller? Non, le couler. OK. Ouais. Mais, ouais. OK. Mais non, c'est ça, faut les vivre. Faut les vivre parce que, comme tu dis, ça revient tout le temps dans ta tête après. Là. C'est comme un deuil inachevé. Faut tout le temps. Faut aller jusqu'au bout des choses. Là, mais, c'est vrai. Mais. Bien dit. Merci. Mais là, c'est le temps d'un petit jeu. Ouais, c'est le temps du petit jeu. Attention. Là, non, attention. Attends. Parce que d'habitude, on fait le jeu de vérité. Là, toi, tu penses, c'est ça. Mensonge. Mais là, toi, tu penses qu'on joue à ça. C'est ça. Mais guess what? Attention. Roulement de tambour. Arrête. Ouais! Oh, excusez, mon Dieu, le micro. C'est mon jeu! Peux-tu nous présenter le jeu, s'il vous plaît? Vous êtes donc fin. Voyons donc. OK, ça, là... Quand je vous dis que moi, je suis pas capable de rester assis sur... Tu sais, quand il y a une épreuve ou quelque chose qui arrive, je suis comme, non, on passe à autre chose. Ça, c'est mon projet de « on passe à autre chose ». La pandémie est arrivée. Moi et mon chum, on a écrit ce jeu de société, OK? C'est un jeu musical. Fait que, depuis plus, tantôt! Exactement. Depuis tantôt. Ça, c'est le destin. Ça s'appelle « Devine the song », OK? Devine la chanson. Pour vrai, on joue, genre. Ouais. On joue. OK, mais là, j'ai hâte de voir le... C'est le combat des générations parce que... C'est des chansons de ma génération quand même, là. On a quand même mis... Écoute... Vous en avez sélectionné. Oui, oui. On en a sélectionné qu'on connaît toutes, là. J'adore. J'adore. Fait que, dans le fond, les règles du jeu, c'est les paroles de la chanson traduites. Fait que si c'est une toune en anglais, les paroles sont en français et vice-versa. Faut que tu devines c'est quoi le nom de la toune, puis les traductions sont boboches, là. Ouais. Alors, c'est comme plus que pas bon Google Traduction. Caillou de rock. Moi, quand je pense que je parle anglais, là, mettons. Là. Mais est-ce qu'on doit chanter l'air de la chanson? Non, faut pas. Parce non, c'est okay, un petit challenge. Un petit challenge, ouais, ouais, okay. OK, parfait. Donc okay, là, on joue. Mais comment ça va marcher? C'est que, mettons, Marianne va piger une carte, ça va être toi contre moi. Mais là, c'est parce que c'est ça. Là, c'est elle qui l'a fait, le jeu. Là. Fait que là, c'est comment ça, c'est elle qui l'a fait, le non, jeu? Mais c'est moi qui c'est... Je pensais que tu parlais de moi. Je m'en rappelle pas. Ça fait trop longtemps. Puis okay. Pour vrai, tu peux compter sur moi. Là, genre, je les ai pas relus 250 fois. Là. Je suis bonne. Okay. Pour vrai. Mais aussi, je pense que comme. Je suis juste tendue. Je pense que vous partez de chance égale quand même. Parce que, tu sais, c'est des chansons. Fait que tout le monde les connaît. OK, parfait. OK, mais là, c'est le combat. Est-ce que je peux sélectionner ma carte? Absolument. Si tu veux. Mais une que je connais, s'il te plaît. Non, vous êtes trop fine, là. Trop de fun. Ça en va partout, vraiment. Là. Vraiment, on a partout des petits jeux comme ça. Excellent okay. Plug. Ah, là, je suis stressée, là. Ouais, moi aussi. Okay. Ah, mon Dieu, imagine la honte si je me fais flusher. Genre. Attention. Okay. Mais là, attends. Quand vous l'avez, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous allez dire la réponse directe ou vous allez faire comme bip? Vous allez faire c'est comme... Chloé! Ok. Léa. Je vais dire qu'il l'a dit en premier. Too bad, baby, I'm not the same anymore. We can dance to be dizzy, to say everything. Between us, I don't even know how to say I love you. Attends, recommence. Ah, là, là. Attends, je sais pas. Too bad, baby, I'm not the same anymore. We can dance to be dizzy, to say everything. Between us, I don't know how to say I love you. Je sais pas comment dire. Pour vrai, là. Je sais pas comment. Between us. Je dis que je sais pas comment. C'est Karim Ouellet. Oui. C'est Karim Ouellet. Oui. C'est. Between us, I don't know how to say I love you. Danser assez tout autour. Entre nous, je ne sais pas dire je t'aime. Fais-moi croire quelque chose. Karim Ouellet, c'est quoi la toune? Entre nous? Mais non.
C'est rien ne sert de courir. Ben là, carré moellette. Faisons donc un classique. J'ai honte. OK, courrez la gang, là. OK. Ouh. Vas-y, Léa. Okay. Vas-y, fort. Okay. Mais là, j'ai gagné, là. Je prends un bonbon. Attends, de quoi t'as gagné? C'est moi, j'ai gagné. Je veux un bonbon. OK, la fille, comme, c'est moi qui ai gagné. Non, moi, ça mérite un. Mais j'ai pas gagné totalement, là. C'est un demi-point, genre. OK. Attends, on est en train de manger. OK, mais tu peux poser ma carte? Hey, ça meurt. Mais là, notre langue va être bleue, hein. Oh, merde. Bravo. Fais un. J'ai vraiment mon jupe dedans, là. OK. À moi. OK. OK. Allons-y. Ouais, je suis prête. And if you think I was wrong, wait. Oh! Chloé, mais là. Chloé. Non, mais dis-le. Ouais, dis-le au complet. Je vois si j'avais une chance. Mais là, ça veut dire que tu connais ça, là. OK. On en a parlé tantôt, OK. And if you think I was wrong, wait. Breathe a little the golden air, the little golden breath that pushes me forward. Attends. C'est un duo, là. En 2001, c'est quand même récent. Ouais. Quand même. 2001, c'est quand même récent. Non, mais en voulant dire comme... OK, ben, vas-y. Sous le vent, Garou et Céline. Vision. Ben, ça y est, ça y est. C'est fini, jamais. Sous le vent. Wow, the high note. Donc là, c'est le battle des animatrices. Okay. Ouais. Alors. Je pense que c'est toi qui vas gagner. Je mets mon argent. Ah, mais là, non, non, ça serait toi. Ben non. Non, mais mis ceux qu'on connaît. Mais pour vrai, vous les connaissez, là, ceux-là qui sont okay. Là. OK. J'ai peur. Un bon classique. Les filles, vous m'impressionnez si vous l'avez. Okay. That things have changed, that the flowers have withered, that the time before was the time before. Léa. Pour que tu aimes encore cette oui. Vision. Oh, wow! Ben là, wow. Toujours des chansons. Non, c'est du Céline. Moi, je dis deuxième round. Okay, une dernière. Ouais. Okay. Que les choses ont changé. C'est bon, là, si je perds, je vais démissionner. Ah, c'est tough quand même. Pas grave. J'ai bien fait jusqu'à maintenant. C'est la lumière du jour qui me montre comment. Et quand la nuit tombe, la solitude appelle. And when the night... When I fall, the loneliness calls. Ouais. Attends, on dirait que je le sais. On dirait que ça me chante. Ça me dit quelque avec chose. Avec quelqu'un qui m'aime. With someone who loves me. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Wow. Les filles, vous donnez moi à tous les deux, tout le monde gagne. On est littéralement les nouvelles Destiny's Child. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que je peux être bien? C'est pas vrai, guys. C'est pas vrai, guys. Si tu veux pour vrai, là. J'aime. Là, c'est la figurante. C'est oh, bravo, là. Merci à toi d'avoir inventé le jeu pour vrai. Là. Ben, mais là, moi je dis on devrait jouer une vraie game. Comme... À vous, hein? Genre avec des points, puis de la compétitivité. Pis genre podcast? Non. Juste une heure de ça. Oui. Genre... On veut une émission de télé, genre. Oui. Ah, ben tiens, tiens. Oh non, on t'aime pas, Véro. On t'aime, Véro. Jamais. C'est ça, hein? Tu peux pas dire ça comme ça, là. On est écoutés. Ben, c'est ça, j'allais dire. Je voulais pas le dire pour te rendre mal, là, mais je me mets là-dessus en lien. On fait la manifestation. Oui, parfait. Oh! Mais là, ça va-tu, Marianne? Ben oui, mon jeu est tombé. Mais là, on a entendu que t'étais l'aîné de ta fratrie. On a entendu dire. Entre les branches. Comment est-ce que tu décrirais ta relation de famille en étant l'aîné? C'est une bonne question. J'ai un frère. J'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi. Notre relation est quand même tumultueuse. On est près un de l'autre, sauf qu'on est full différent. Moi, je suis genre l'extraverti en communication, en télé. Lui, il est en finance, plus réservé, mais on a full le même sens de l'humour. J'ai vraiment pris la responsabilité de la grande sœur depuis que je suis jeune, mais quelque chose que je peux mentionner, peut-être qu'il pourrait avoir un lien avec ça, c'est que moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 18 ans. Ma mère est décédée d'une tumeur au cerveau, puis elle a été malade toute mon enfance. Genre, tu sais, quand j'ai eu 6 ans, elle est tombée malade, puis après ça, pendant 12 ans, elle s'est battue contre la maladie, fait que ma mère était là, elle s'occupait de nous tout le temps, sauf que moi, j'ai pris un peu le rôle de mère, genre, là-dedans. Puis, tu sais, ça, je suis sûre que ça peut parler à beaucoup de jeunes, genre, qui vivent ça aussi. Le fait de, comme, se responsabiliser quand t'es super jeune, que moi, je me souviens, à 10 ans,
je me sentais une petite môme là, mm-hmm. pour mon petit frère, tu sais. Mais dans le sens que mon père, il s'attendait pas... Tu sais, mon père, il était avec nous, là. Mon père s'attendait pas à ça de moi, tu sais. Il s'attendait ouais. pas à ce que je décide de pas... Ben là, je pense, mettons, plus vieille, là, au secondaire, justement. Ça arrivait souvent qu'au lieu d'aller à une soirée avec des amis, je décidais de retourner chez moi à la maison pour... m'occupe, tu sais, ça changeait rien que je sois là, là. J'étais un ouais. enfant de 13 ans, là. Ma présence changeait rien, mais moi, je sentais qu'il fallait que je sois là pour aider mon père, aider ma mère, comme aider mon frère avec ses devoirs, tu sais. Fait que je me donnais une responsabilité qui était pas nécessaire, que même quand j'en ai reparlé à mon père plusieurs années plus tard, il était comme, hey, moi, là, je voulais juste que toi, tu sois correct puis que t'ailles t'amuser avec tes amis là-dedans puis que t'ailles pas le poids de, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent de, je prends le poids des autres. Des ouais. autres, quand t'es jeune, c'est pas aux jeunes de prendre ce poids-là, mm-hmm. tu sais. C'est nous qui va se donner cette responsabilité-là. Puis mon père était comme, moi, je voulais juste que tu sois heureuse, puis c'est moi qui s'inquiétais pour toi. T'avais pas à t'inquiéter pour nous, tu sais. Ouais. C'est nous les parents. Puis d'un autre côté, j'arrête pas de me dire, ben là, c'est ça, ma mère est décédée quand j'avais 18 ans. Puis là, j'ai été la mère de mon frère à mm-hmm. ce moment-là. Il sortait, je le textais à 3h du matin, t'es-tu revenu, t'es-tu correct, t'as-tu tes affaires, j'allais le voir le matin pour le réveiller. Tu sais, en même temps, c'est une aide qui a porté fruit, là, genre ouais. sûrement que j'aidais pour vrai, sauf que, honnêtement, en ayant parlé à mon père, il était comme, pour vrai, j'aurais voulu tellement que tu t'enlèves ce poids-là des mm-hmm. épaules, parce que c'est ça, j'ai commencé à faire de méchante angoisse, mm-hmm. super jeune à cause de ça. Au cégep, je peux aller à un party. Au cégep, pas un. Parce que je retournais à Montréal puis je revenais chez nous, tu sais. Mais, puis un autre côté de moi que je suis comme, crime, on dirait que j'ai pas été assez là, tu sais. Je me sens coupable parce que je suis comme, il me semble qu'à l'adolescence, j'aurais pu en laisser de côté là, des petites ouais. soirées, tu sais. J'en laissais tout le temps de côté des mm-hmm. soirées, mais j'ai comme, j'aurais dû être plus là, mais avec du recul, je suis comme, non, là, tu sais. Faut que tu. Puis je l'ai pas vécu tant que ça, là, mon adolescence, à 100 000%, justement parce que je sentais que ma présence allait changer quelque chose énormément au sein de du fonctionnement de ma famille, tu sais, quand même. Mais ouais, j'ai vraiment pris le rôle de mère que moi, ça me rassurait, comme, de prendre ce rôle-là. Ouais. C'était, je pense que ça me rassurait plus moi que mon père puis mon frère, honnêtement, là. Fait que. Ouais, c'est peut-être le conseil que je donnerais de comme lâcher prise là-dessus, que t'es un enfant puis ton parent s'inquiète pour toi plus que toi, tu devrais t'inquiéter pour eux, tu sais. Mais tu sais, en même temps, c'est en nous, là, je pense qu'on... Oui. Ouais, c'est naturel de s'inquiéter. Sauf que, ouais, voilà, j'ai comme... Vous, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Ben en fait, ici, ce petit trio... Ouais. On est trois les aînés de la famille. C'est vrai? Mm-hmm. Oh, ouais, hein? Mm-hmm. Vous avez des... Est-ce que vous vous occupez full de vos frères et sœurs? Non. Ben, c'est ça, c'est vraiment comme un clash, on dirait. Oh, ouais, hein? Ah, ouais? Non, mais comme... Attends, tu parles entre nous? Oui. Ah, OK, je suis mais comme, tu sais, on dirait... C'est pas que j'ai haï être la grande sœur, mais comme on dirait, c'est comme toutes les choses que... Tu sais, c'est la première fois que tes parents aussi, oui. tu sais, qui ont un enfant. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, j'étais comme un peu... Pas, je me sentais persécutée, genre. Ouais. Mais comme, tu sais, je faisais quelque chose, là, mes parents me chicanaient. Puis là, mettons, mon frère et ma soeur, ils le font. Puis là, ils les chicanent pas autant. Ah, puis là, je suis comme... Ben, mais exactement. C'est exactement ça. T'es comme celle qui fait les... T'es le démo. T'es genre le démo. Fait que premier chum qui arrive à la maison, moi, ça a été l'enfer, là. Ça a été l'enfer. Après ça, mon père était... Puis en plus, est-ce que vous avez des frères ou des... Ouais, moi, j'ai un frère. Frère, toi aussi, frère. On dirait qu'on... Aussi, je m'excuse, mais la dynamique fait gars, c'est différent aussi, là. Moi, mon premier chum, c'était comme, t'as pas le droit d'amener un gars, puis tu peux pas dormir avec, là, jusqu'à ce que t'aies 17 ans, là, il vient pas, là. Il vient pas dans ta chambre, là. Puis mon frère, mon père, était comme, let's go, mon gars, allez, ouais. C'était comme, tu sais, ma première brosse aussi, ça a été ça, là, de comme, il me chicanait full, puis mon frère, il était comme un petit clin d'œil, il était comme, hey, non, c'est sûr. Tu sais, genre, fait que, c'est sûr, là, premier enfant, en plus, t'es une fille, puis t'as des frères, tu sais, c'est sûr que. Mais ça, c'est unanime. Ouais, à tous ceux à qui j'en ai parlé, c'est comme ça. T'sais, un parent aussi, ça, c'est super stressé la première fois, puis la deuxième fois, on dirait qu'ils sont rodés, puis ils prennent ça plus relax. Là. Mais c'est de la pression aussi. Là. Oui, c'est oui. comme, faut que tu donnes l'exemple. Exact. C'est ça. C'est de la pression avec la grande sœur. Mais moi, genre, on dirait que... Bon, ma relation avec mon frère, c'est genre... Parce qu'on dirait qu'il y a comme des frères et sœurs qui sont vraiment proches. Mm-hmm. Mais moi et mon frère, on fait juste habiter dans la même maison. Comme on se parle pas tant que ça. T'sais, j'ai pas allé dans sa chambre faire « Coucou, ça va? » Ouais. Non, genre...
Il a quel âge, son frère? Mon frère, il a juste 2 ans de moins que moi. OK. Mm. Mais comme on n'est pas... Genre, on fait pas des trucs ensemble pour le fun, tu sais. OK. Non. Mais est-ce que des fois, genre, t'aimerais avoir une relation plus proche avec ton frère? Ben là, tu sais, je vais pas pour dire non. Mais on est en onde. Mais c'est genre, non. C'est ça. Mais, tu sais, je pense pas que ça manque à ma vie. Non, mais tu sais, en vieillissant, ouais. Pour vrai, en vieillissant, c'est ça, ça se transforme. Je pense que ça va être en vieillissant, là, tu sais. Mais en ce moment, c'est comme... Tu sais, c'est pas comme si, genre, il manquait quelque chose à ma vie, là. C'est juste mon frère, genre. Ouais, je comprends, ouais. Mais est-ce qu'à la maison, vous parlez beaucoup, mettons, avec tes parents? Est-ce que vous avez full une bonne communication? Est-ce qu'ils vont te demander comment tu vas? Ben, c'est ça avec mes parents. C'est comme, bon, c'est genre parce que moi puis mon frère aussi, comme on n'est jamais allé à la même école. OK. Et même, on n'est jamais même allé à la même garderie. On a toujours été dans des endroits différents. Okay. Fait que c'est comme, ça aussi, ça, genre, qu'on est moins proche. Tu sais, mettons, t'es toujours avec ton frère ou ta soeur, tu sais, mettons, pour aller à l'école, pour revenir de l'école, pour comme... Je sais pas, parler des trucs d'école, mais nous, on n'a jamais été comme ça. Fait que c'est sûr que, genre, on était moins proches. Puis, si ça met avec mes parents, c'est comme. C'est normal. C'est juste normal. Mais tu sais, on dirait comme. Moi, plus je vieillis, plus je suis comme. Ah, j'aurais aimé ça avoir comme une relation plus proche. Tu sais, mettons ma soeur, tu sais, moi, au secondaire, tu sais, j'ai comme vraiment une passe anxieuse. Puis là, elle est un peu après, comme, tombée là-dedans. Fait que je suis comme, OK, à vie, qu'est-ce que je vis? Puis comme, je pourrais l'aider. Mais on dirait. Dans ma tête, on est comme pas assez proches, genre. Pour que je l'aide en tant que je veux l'aider parce que c'est ma sœur, tu sais, on est comme liés par le sang. Ouais. Mais c'est, on dirait, je sais pas si vous allez comprendre, mais je trouve que dans le noyau familial, il y a comme quelque chose de gênant puis de malaisant de poser des vraies questions, tu sais, de comme mon frère là, comment tu vas, comment ça se passe à l'école, est-ce qu'il va vouloir se confier à moi, exact. Premièrement, tu sais, c'est moi je me confiais pas à mes parents là, tu sais, je pense qu'il y a différents types de comme parentalité puis ça, mais moi j'ai bien plus caché des affaires à mes parents que me confier. Je me confiais pas à mes parents, tu sais. Fait que c'est ça, je me dis, en tant que sœur, est-ce que mon frère va vouloir, dans le passé, est-ce qu'il aurait voulu se confier à moi sur des vraies affaires, tu sais. Tant qu'à ça, c'est du temps perdu. Je me dis, trouve-toi un bon ami, tu sais, quelqu'un de confiance, puis parle-y à. Mais je sais pas, est-ce que ça vous fait ça que on est tellement proches, puis on est dans la même famille. Est-ce que c'est comme trop d'intimité, trop de proximité, de genre de poser des vraies questions, genre aux personnes avec qui tu vis? Bon, on dirait. Moi, ma famille, ben pas qu'il n'y a pas de tabou, genre, mais tu sais, c'est une famille comme très ouverte. Mais comme, d'un sens, je comprends ce que tu veux dire, que tu sais, mettons, je n'irais pas, genre, m'asseoir à côté de mon père, puis genre, il parlait comme de sujets full sérieux, parce qu'on dirait, c'est comme, c'est ça, parce que c'est mon père, c'est comme un peu malaisant. Mais ouais, toi, Marianne? Ben moi, je me confie pas tant. Moi, je suis pas une personne qui se confie tant dans la vie. Puis encore moins que, genre, les gens de ma famille. Comme, beaucoup plus avec mes amis, c'est sûr. Mais, genre, tu sais, c'est sûr que, comme, mettons, mon frère, c'est sûr que s'il me dit, genre, c'est sûr, je vais le backup, des fois. Oui, oui. Bon, je snitch des fois, mais, tu sais, bon, peu importe. C'est sûr que je vais le backup si, genre, il y a quelque chose, mais, comme, tu sais, on n'est pas tant. Tu sais, c'est pas les grosses confidences, là, tu sais. Je pense pas que c'est quelque chose que, genre, je ferais avec mon frère. Non. C'est ça. Mais, mettons, moi, j'aurais aimé ça avoir, comme, un jumeau ou une jumelle, ok. Ça a toujours été comme un de mes comme l'eau qui rêve, bon. Puis genre à cause de l'attrape-parent, j'imagine. Mais là c'est ça. C'est sûr. Genre soit avoir une jumelle être identique puis comme changer de place, ou soit avoir un jumeau pour voir à quoi je ressemblerais si j'étais un gars. Genre. Puis comme je sais pas, je trouve que si j'avais eu un jumeau ou une jumelle, j'aurais été comme plus proche. Ouais, ben c'est un built-in best friend. Ben c'est ça. T'sais, mon frère et ma soeur sont jumeaux-jumelles, puis comme, tu sais, ils ont tout le temps été comme dans la même classe, tu sais. Mais pas qu'ils ont eu les mêmes amis, là, tu sais. Aujourd'hui, secondaire, ils sont comme plus séparés. Mais tu sais, ils veulent pas être comme tout le temps ensemble. Puis tu sais, nous, on est trois. Fait que tu sais, il y a ces deux-là, puis il y a moi. Fait qu'on dirait, moi, je me suis tout le temps un peu sentie comme. Rejetée un peu. Ben ouais, rejetée, mais comme sans le vouloir par eux. Tu sais, ils étaient comme, Léa, t'es pas dans le triplet, donc, va-t'en. Mais oh, c'est chien. Non, c'est ça, mais tu sais, comme, veux pas, oui, tu sais, je comprends, avoir un jumeau, t'es comme, veux pas, c'est comme ton meilleur ami. Tu t'es née avec, là, t'étais dans le ventre de ta mère avec, parce que c'est comme t'as un lien un peu. Ouais, c'est ça. Unique, là. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tes frères et tes sœurs. Ben, tes frères et tes sœurs. Tes frères et sœurs sont déjà comme faire inside jokes sans toi, pis c'est genre, oh, on peut pas t'expliquer. Ben, honnêtement, pas dans l'inside joke. Ben, tu sais, mettons, comme, tu sais, dans leur année, comme au secondaire, ils connaissent toutes les mêmes personnes, fait que des fois, on est tous pis, pis là, ils parlent de comme les personnes dans leur cours, pis je suis comme, ah. Genre, je sais pas quoi qu'ils parlent, là. Moi, Milan, pour vrai, je le connais pas, la gang, là. Mais honnêtement, à un moment donné, j'ai eu un éveil de comme j'ai besoin de communiquer. Moi, dans la vie, j'haïs ça, les ondes grises. Genre, je suis pas capable de savoir que,
Ah, y a-tu un froid entre telle personne et telle personne? Je suis pas capable que j'aille ça. Fait que je suis rendue la queen de la communication. Puis il n'y avait pas ça chez nous quand j'étais jeune. On dirait qu'on laissait vivre les froids. Bien, pas les froids, mais il y avait beaucoup de non-dits, genre, chez nous, là. Puis c'était comme difficile de. Surtout avec mon père, je pense que, tu sais, un homme de sa génération, comme quand c'est comme. C'est assez difficile de parler de ses émotions. Mm-hmm. C'est moins ça aujourd'hui, mais on dirait que ça m'a vraiment manqué. Puis ça, c'est ça qui me rendait anxieuse. C'est les non-dits, c'est les comme. Hey, si on avait pris la peine de peut-être discuter de telle affaire, de comme, hey, ça te dérange-tu quand je suis pas là, que je m'en vais avec les filles au lieu d'être ici, ça m'aurait peut-être évité genre des années d'anxiété. Mm-hmm. Fait que là, maintenant, je parle vraiment. Là. Puis c'est comme, dès que je sens qu'il y a quelque chose, c'est over, là, même des fois. Là. C'est comme too much communication. Puis ça me fait du bien. Puis ça m'a, je vous jure, ça m'a libéré d'une grande partie de mon stress puis de mon anxiété au quotidien, de juste comme dire les choses puis de parler, tu sais. Autant, moi, ce que je ressens de tout sortir de moi, qui est vraiment communiquer avec les gens. Tu sais, ça déstabilise. Là. Moi, je fais ça maintenant avec mon père. Oui. Des fois, au début, ça le déstabilisait. Mm-hmm. Là, de comme, « Hey, comment tu vas? » Moi, c'était pas ça au souper. Là. C'était pas « Comment ça va? » C'était « Puis, t'as-tu fait tes devoirs? T'as-tu, mettons, quand j'étais plus vieille, t'as-tu fait ton changement de nœud? » Tu sais, très pratico-pratique. Ouais, là, ouais. C'était comme, on dirait qu'on évitait, on avait peur de poser des vraies questions parce que, pour vrai, je pense pas que mon père aurait été équipé pour gérer ça, on dirait. Mais là, comme quand tu confrontes les gens, t'es comme non, on parle des vraies affaires. Comment tu vas? Puis dis-moi pas juste comment tu vas. Tu fais pas juste me répondre ouais. Genre si y a de quoi tu veux me dire, dis-moi le. Tu sais. Mais moi, de communiquer de même, puis de arrêter de comme fendre les ondes grises, ça m'a vraiment aidé dans la vie à comme au moins j'ai l'heure juste. Fait que j'arrête de me faire des scénarios parce que c'est l'enfer, se faire des scénarios. Ah ben là, cette personne-là doit penser que telle affaire. Tu sais. Fait que le fait de briser ces ondes grises là, de parler, au moins t'enlèves le volet scénario qui te fait, c'est vrai. Fait grossir des idées qui ont même pas rapport, qui ont pas lieu d'être. Fait que c'est ça. Fait que, mais moi, j'avais une question. Vu que tu dis que gentil, t'étais souvent pas avec tes amis, tu revenais souvent à la maison, tu t'occupais de ton frère, est-ce qu'il y a comme, tu penses que genre, mettons, t'as manqué un peu une partie de comme ton adolescence que tout le monde a vécu? Ouais. Ben, tu sais, comme, tu sais, j'ai vraiment bien vécu mon adolescence quand même. T'sais, je sens vraiment que j'ai vraiment pas été brimée de quoi que ce soit. T'sais. C'est juste que j'étais un petit peu plus comme conscientisée que mes autres amis, mettons. Ouais. Mais oui, là, mettons, plus au cégep, là, c'est plus là, le noyau que j'ai rien fait, que j'ai pas vécu. Fait que là, aujourd'hui, à 29 ans, j'ai jamais autant vécu ma best life. Mais désolée, mais... C'est là que je me... 29 ans, je suis encore choquée. Moi, je suis plus là. Hey, je sais, moi, je suis choquée, ma belle. Là. Je savais à quel point je ne réalise pas, moi non plus, que j'ai 29 ans. Mais là, c'est en ce moment, plus que jamais, je sors, je vois mes amis, je fais des activités. C'est comme si, là, je rattrape le temps perdu, tu sais. Mais c'est sûr que des fois, je suis comme, ouais, j'aurais pu... Pas de regrets, là, parce que comme j'ai pas de regrets. Là, c'est juste, tu sais, dans la vie, là, ça, c'est encore une fois une quote de mon père, Mario. Ah, mon père aussi s'appelle Mario. C'est vrai? Oui. Arrête-moi ben non. Ça, mon Dieu. Les Mario, c'est... Exactement. C'est des Mario, hein. Mario, il dit... Je sais pas pourquoi je disais ça. De quoi je parlais avant? Qu'est-ce que ton père a dit? Oui, mon père, il dit... L'expérience, c'est la somme de tes erreurs non répétées. Fait que c'est pour ça, je pense que j'ai pas de regrets dans la vie. C'est parce que tout ce que je fais, tu sais, il y a rien qui arrive pour rien. Ouais. La phrase que je suis plus capable d'entendre, mais que c'est la chose la plus grande. Mais c'est tellement vrai. Oui. Que tout ce que j'ai fait, que c'était une erreur, puis que, mettons, j'aurais pu regretter, ben je le regrette pas parce que ça m'a fait avancer. Exact. Ça m'a donné de l'expérience. C'est ça, l'expérience. Mm-hmm. C'est des erreurs que tu as faites, puis que tu as appris de ça, tu les répètes pas. Fait qu'on dirait que c'est pour ça que j'ai pas tendance à avoir de regrets dans la vie. Premièrement, ça sert à rien. Oui. Puis deuxièmement, ça te fait avancer, genre, quand t'as des échecs puis que tu fails, là, que tu fais quelque chose que t'es pas fier de toi, ben au lieu de le regretter, fais juste te dire... T'améliorer. J'avance. Je vais pas répéter ça. Je l'ai fait. Puis c'est de l'expérience que t'ajoutes dans ton petit bagage. Très vrai. Exactement. Très vrai. Est-ce que ce serait le moment? C'est-tu le temps, là? Je pense que c'est le moment de la question qui tue. Oh, okay. Oh my God! Donc, à chaque fin d'épisode, on demande une question qui tue à l'invité. OK. Donc, faire attention, ça va tuer. Donc, on dit souvent que les efforts mis pour être aimé par les autres sont pas genre une bonne chose. Tu sais, les efforts pour être aimé, pour plaire aux autres, c'est pas une bonne chose, surtout au secondaire. Mm-hmm. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de bon ou pas bon dans ta vie d'aujourd'hui? Quand je veux plaire à quelqu'un, je me mets de l'avant, je me donne à 100%, je veux être à mon meilleur. Tu sais, fait que j'ai l'impression que ce que je veux que les gens voient de moi, c'est ce que
je veux voir des autres. Oui. Fait que c'est une personne que j'aime. Ouais. Mm-hmm. Puis ce que je projette aux autres, c'est la personne que je veux être. Ouais. Dans le fond. Fait que ça, je pense que ça m'aide à me modeler en tant que personne aussi, tu sais. Aussi alimenter l'espèce de personnage de, comme la fille bubbly, la fille sociable et pétillante. Peut-être que ça contribue à être comme nourrir ce personnage-là, parce que les autres s'attendent à ça de moi. Ça a fait que ça a construit un peu ma personnalité. Ouais. Après ça, est-ce que je suis vraiment... C'est une question que je me pose des fois. Est-ce que je suis vraiment comme ça? Ou je l'ai exagéré, je l'ai amplifié pour correspondre à ce que les gens attendent de moi? Mais moi, après une heure de parler avec toi, je pense que t'es vraiment comme ça. Ouais, je pense que t'es vraiment comme ça. Mais je pense aussi, parce que ça date de quand j'étais jeune, mais c'est ça, je suis comme, est-ce que j'ai alimenté un personnage que, dans le fond, j'étais peut-être un petit peu moins extravertie? Non, je pense que ça m'a aidé à former ma personnalité au gré des années. Mm-hmm. Puis ce que je veux que les gens aient une opinion positive de moi, fait c'est ça, je donne le meilleur de ce que je peux offrir. Puis ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Vraiment une belle réponse. Vraiment. Ouais. Mais merci. Avant qu'on se quitte, j'aurais une petite question. Est-ce que t'es relié de n'importe quelle façon à Pascal de Blois? Non! Ça, là, je me fais tellement demander ça souvent. Parce que, premièrement, bon, on a le même nom de famille, mais je pense qu'aussi, on se ressemble à quelques niveaux. Puis, tu sais, les deux, on fait un peu d'humour du même genre. Mais non, moi, puis Pascal, on s'est rencontrés une fois. On se connaît des réseaux sociaux, mais on est trop pas parents. Mais il y a plein de monde qui sont comme, c'est ça, vous êtes sœurs, arrête. Non, on n'est pas parents. C'est ça? Non. Mais c'est une bonne question. Écoute, je me fais vraiment poser souvent. Il fallait. Mais c'est ça, mais c'est clair, c'est maintenant qu'on l'a reçu, hein. Je ne suis pas là. Exactement, on l'a en caméra, oui, là. On l'a appris ici au podcast. Exactement. Mais je pense que c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Hey, merci les filles. Ça l'a passé vite. Puis, savez quoi? J'ai tellement espoir en votre génération. Pour vrai, là, ça va faire fou ma tante, la fille, elle a 29 ans, puis ça paraît, là. Genre... J'ai tellement espoir en votre génération. Je vous trouve beau, je vous trouve allumé, je vous trouve comme ouvert d'esprit. Je trouve que c'était pas ça, moi, ma génération. On dirait que ma génération, on était vraiment dans le jugement, puis c'était comme l'espèce de dernier souffle d'une génération un peu fermée, là. Mm-hmm. Puis je vous trouve vraiment, vraiment hot. Merci. Je vous aime trop. Merci. Vous faites avancer les choses, je le sens. Je vous admire. Bravo. Écoute, merci. Si j'ai un conseil à vous dire, chers téléspectateurs, vivez votre vie comme si vous étiez dans un film Disney. Ben, sérieux, oui. Écoutez. Oui. En tout cas. No regrets. Écoute, vraiment. Mais là, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qui conclut notre podcast aujourd'hui. Merci, Chloé, de t'avoir joint à nous. Merci à vous. Vous êtes super bonne. De rien. Puis là, on se revoit la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Mais tu sais, si vous voulez pas qu'on se revoie dans 3 semaines, vous pouvez aussi aller regarder les autres épisodes qui sont déjà sortis. Tu sais, vous pouvez même les regarder encore. Ouais. Vous pouvez même les regarder, mais comme avec image ou même sans image. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis si vous voulez, vous pouvez même aller follow nos comptes Instagram, tu sais. Si jamais. Parce qu'on en a jamais assez. C'est celui de Chloé, d'ailleurs. Exactement. Chloé sur Instagram. C'est ça. Mais si jamais, vous pouvez aussi installer genre Disney Plus puis écouter genre toutes les films. Ouais, oui, en rafale. Anyways, donc c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Bye!